Bonjour à vous deux. Donc nous sommes maintenant en compagnie de Escarina qui est community manager sur le jeu Boofball, si c'est ça. Exactement. Bonsoir. Et Bonsoir. Bicarbo, donc qui est modérateur également sur le jeu Boofball. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là sur Ranka TV tout d'abord. Alors première question toute bête. Que j'aime bien poser un petit peu à tout le monde qui vient être interviewé. Est-ce que vous connaissiez Ranka TV avant de venir ici? Alors, en ce qui me concerne, oui, je connaissais Ranka TV, notamment grâce au fan village qu'on a sur les conventions. D'ailleurs, il me semble que vous m'aviez déjà interviewé quand j'étais encore testeuse à la dernière convention. Voilà, effectivement. Et Bicarbo, toi? Et pour ma part, seulement de nom, mais sinon je connaissais, oui. D'accord. Voilà, donc première question. Donc mes premières questions donc pour Escarina tout d'abord. Donc Escarina, donc tu es community manageuse ou manager, je sais pas si on dit manageuse, sur le jeu Boofball. Alors ça consiste en quoi exactement ce métier? Alors, community manager, comme le nom l'indique en anglais, c'est quelqu'un qui s'occupe de gérer la communauté. C'est un métier du web qui est assez récent. Donc en fait les applications de ce métier-là sont très diverses et variées. Donc je vais t'expliquer surtout ce que moi je fais en Kama et ce que la plupart des community managers font. C'est de la gestion de communauté pure, donc ça passe par de la rédaction news sur les sites web pour la plupart d'entre nous, par de l'animation sur les forums et de la modération, la mise en place d'équipes de modération, la mise en place aussi de tout ce qui est animation hors jeu et en jeu, donc superviser les tournois quand il y en a, créer des concours, ce genre de choses-là. Et puis, être community manager, ça passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, animer tout ce qui est Twitter, Facebook, Google+, quand il faut. Il y a aussi une partie du travail qui consiste à aller voir ce qui se passe sur les forums des sites partenaires, sur les jeux concurrents aussi, pour il faut qu'on soit bien au courant de ce qui se passe, tant au niveau du jeu vidéo qu'au niveau de notre métier, savoir ce que les autres community managers font sur les autres jeux en termes d'animation pour qu'on soit à la page et puis qu'on soit le plus inventif possible. Voilà. Okay. Donc c'est un métier assez complet. Donc tu l'as dit, c'est nouveau. Alors est-ce qu'il y a des formations pour ce métier? Alors effectivement, c'est un métier qui mélange beaucoup de choses. Il y a du rédactionnel web, il y a de la communication, il y a du marketing. Donc à l'heure actuelle, j'ai cru voir qu'il y avait effectivement des formations qui commençaient à exister au niveau du community management pur. Il y a des masters, ce que j'ai vu, qui existent pour ce métier-là, mais je pense que c'est tout récent. Donc actuellement, il y a beaucoup de community managers qui sont en place, dont les études de base étaient plutôt orientées sur tout ce qui était communication ou marketing et qui se sont retrouvés dans ce métier-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont là en tant qu'autodidactes, qui étaient très intéressés par tout ce qui était web et compagnie et qui se retrouvent à faire ce métier-là. Pour te donner une petite idée, moi à la base c'est absolument pas ma formation, mais étant donné que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, notamment par rapport au côté communication du métier, j'ai été amenée effectivement à me proposer à ce poste-là et à être prise. Mais à la base, j'ai des études, j'ai fait un master d'espagnol, donc ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est vrai. Tu aurais pu travailler sur la communauté espagnole non plus, enfin hispanique. Tout à fait. Bah, j'entretiens de bonnes relations avec les CM espagnols. Vous connaissez sûrement Cirdal, par exemple, pour chez Dofus. Donc voilà. Voilà. Donc tu étais testeuse avant, c'est bien ça? Exactement. Voilà, donc tu es passée donc du poste de testeuse à community manager. Donc en fait, c'est toi qui l'as demandé. On est venu te chercher justement pour ce jeu. Alors, j'ai vu qu'effectivement en interne, ils recherchaient quelqu'un pour le poste de community manager, et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait de plus en plus, notamment parce que j'ai un blog qui n'a rien à voir avec Ankama, c'est un projet personnel, et je faisais déjà du community management, en autodidacte, et c'est vraiment l'aspect communication, marketing, rédactionnel qui m'attirait beaucoup, et ça a été une super occasion pour moi de changer d'orientation professionnelle et de m'orienter vers quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. D'accord. Bon. Tu regrettes pas trop donc ton poste de testeuse apparemment? Pas du tout. Bah, si j'ai changé, c'était vraiment parce que je le voulais. J'aimais beaucoup mon ancien métier, mais je ressentais le besoin d'évoluer et ça a pu se faire. J'en suis très heureuse.
Ok, donc bon, alors on va passer vite fait à la présentation de Bicarbo, parce qu'il n'a pas encore beaucoup parlé. On va le laisser parler un peu. Alors, Bicarbo, tu es modérateur, c'est ça? Donc sur le jeu Bouffball. Exactement. Alors, modérateur, on sait à peu près à quoi ça consiste, mais bon, si tu pouvais le rappeler. Ben, tout simplement surveiller que les règles du forum et du chat sont respectées. Et puis voilà, sinon bah, animer le chat, aider les nouveaux joueurs en les aiguillant sur le chat toujours, sur le forum aussi, voilà, surveiller que certains ne dépassent pas les bornes. Puis voilà, essayer de résoudre les conflits quand il y en a entre deux joueurs, quand les esprits s'échauffent, voilà, on fait tout ça, nous. Ok, donc alors là d'ailleurs bah, il y a des premiers outils pour la modération qui sont sortis sur le jeu là. Avant, vous pouviez pas vraiment modérer le jeu, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, donc c'était surtout beaucoup de communication sur le chat, puisque évidemment on n'avait que ce moyen-là pour modérer dessus. Donc voilà, donc c'était beaucoup de discussions. Parfois ça n'aboutissait à rien, parce que bon, il y en a toujours qui sont très difficiles à raisonner, mais bon, la plupart du temps, il suffisait juste de montrer qu'on était là pour calmer le jeu. Voilà. Ok. Alors donc alors le poste de modérateur, c'est un poste un peu à part, hein, donc c'est un poste bénévole, c'est bien ça? Exactement. Donc tu connaissais certainement Ankama depuis un moment, donc comment tu l'as connu? Depuis quand tu connais Ankama déjà? Alors, en fait, j'ai commencé à jouer sur Dofus, donc ça fait 2 ans à peu près maintenant. Et puis voilà, puis j'ai découvert la possibilité de pouvoir participer à la bêta test du Bouffball, donc je me suis inscrit. Et j'ai eu la possibilité d'y participer. Et à partir de là, ben, je suis un peu tombé amoureux de ce jeu-là. Je me suis beaucoup passionné. J'ai énormément participé sur le forum. Et quand le jeu est passé à la version définitive, ben, j'ai continué à m'impliquer dessus. Voilà. D'accord, donc voilà. Donc, pourquoi tu as voulu devenir modérateur? Alors, c'est parti du fait, ben, comme beaucoup de joueurs à l'époque où il n'y avait pas de modérateur, c'est que lorsque ça commençait à partir en live, c'était très difficile en tant que joueur d'essayer de calmer le jeu, d'autant plus que certains en plus envenimaient les choses. Et beaucoup se disaient, s'il y avait des modérateurs, ben, ce genre de choses ne se passerait pas. Et c'est vrai que je faisais partie, ainsi que d'autres personnes, des personnes qui essayaient de faire de calmer le jeu, mais à l'époque en tant que joueur. Donc quand la proposition de devenir modérateur s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai essayé de me présenter, et par chance j'ai été parmi ceux qui ont été choisis pour devenir modérateur. D'accord, donc pour devenir modérateur, t'as dû faire quoi exactement? T'as envoyé une candidature, il y avait quoi Voilà, dedans? une candidature avec quels étaient mes intérêts par rapport au jeu, pourquoi je souhaitais faire modérateur, et mes expériences auparavant, si j'en avais eu, en tant que modérateur ou en tant qu'animateur, puisque on nous demande aussi en tant que modérateur d'animer, ou dans le futur en tout cas, la communauté Bouffball à travers des jeux et des concours. Voilà. Ok, donc bah, c'est un beau métier, mais alors, enfin, un métier si on peut appeler ça comme ça, mais ça doit prendre beaucoup de temps, le Google quand même, à modérer tout ça, tous ces joueurs. Alors, pour ça, heureusement, on est plusieurs. Donc, il y a d'autres personnes, d'autres modérateurs qui m'accompagnent. Donc, pour les citer, Dicamo, Tesso, Araki et Pooch. Avec qui j'ai fait connaissance lorsque on a été choisi, donc on a appris à faire connaissance, et donc on se relaye les uns les autres. Parfois on est même ensemble en même temps sur le chat, et on essaye de se relayer les uns les autres justement pour faire que le chat et le forum aient une bonne ambiance et soient bien animés. Voilà. Ok, donc tu as peut-être dans la vie un métier ou peut-être que tu vas encore à l'école peut-être Alors, j'ai un métier, donc en fait, je suis danseur professionnel. Ah Voilà. d'accord. Donc
Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec, avec ça. Du tout. Du tout. D'accord, c'est voilà. Alors, est-ce que modérer, c'est peut-être c'est quelque chose de difficile? Est-ce que parfois, tu me l'as dit, il y a peut-être des accrochages avec des joueurs un petit peu trop qui veulent pas écouter en quelque sorte? Alors, ben, il y a de tout, en fait. Dans la modération, il y a de tout. Il y a, voilà, une personne qui s'énerve d'un seul coup, donc on va de suite intervenir et elle se calme aussi vite qu'elle s'est énervée. Donc ça, c'est le scénario le plus facile pour nous, on va dire. Et puis, il y en a qui cherchent la provocation, tout simplement, qui sont pas, qui se connectent juste pour mettre, voilà, pour déranger les autres, pour insulter, provoquer, etc. Donc là, par contre, là, c'est déjà beaucoup plus poussé dans le sens où on surveille ce genre de personnes-là. Et si elles récidivent trop souvent, on passe par contre là à des sanctions qui vont donc du simple mute, c'est-à-dire ils peuvent plus communiquer sur le chat pendant un certain temps. Ça peut aller de 30 minutes à 48 heures. Et si malgré ça, lorsqu'elles peuvent à nouveau parler, elles continuent leurs actions, ça peut aller jusqu'au ban définitif du jeu, soit des comptes. Voilà. Mais en général, ça n'arrive pas. On va rarement jusque-là, heureusement. Ok, donc alors bon, on va parler maintenant du jeu Bouffbol. Donc on reviendra avec toi après, hein, Bicarbo. J'ai encore une Très bien. question à te poser après. Je pense que là c'est maintenant Iscarina qui va plus pouvoir me répondre. Alors déjà, le jeu Bouffbol, eh bien si Iscarina, tu pouvais le présenter un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il a de spécial par exemple par rapport aux autres jeux dans le Kama? Alors déjà, ce qu'il a de spécial par rapport aux autres jeux d'Ankama, c'est que c'est un browser game. Alors un browser game, c'est un jeu qu'on peut jouer directement dans son navigateur internet. Donc ça, c'est la petite particularité. Ce qu'on retrouve par rapport aux autres jeux Ankama, c'est le côté tactique au tour par tour. Et voilà, après c'est un jeu de sport orienté autour du Bouffbol, donc c'est un petit peu le jeu officiel de l'univers Ankama si vous suivez Dofus et puis ça s'est popularisé avec la série Wakfu. Voilà, c'est un peu notre petit jeu fétiche. Donc voilà, c'est un jeu de sport qui mêle la stratégie et puis le Bouffbol. D'accord, alors le jeu est donc, tu l'as dit, sur le navigateur. Pourquoi ce choix du navigateur? Oui, alors on a fait ce choix-là parce que c'est ce qui est le plus accessible à tous. Si vous suivez Ankama, je pense qu'il y a une certitude si vous écoutez Ankativi. Nous, ce qu'on cherche à faire avec nos jeux, c'est à toucher le plus de monde possible. On ne cherche pas forcément à viser uniquement les gens qui ont des grosses configurations, au contraire. Donc l'intérêt de ce browser game-là, c'est justement qu'à partir du moment où on a Internet sur sa machine, on peut y jouer sans trop de difficultés. Il n'y a pas besoin d'avoir une configuration de malade pour pouvoir jouer à Bouffbol. Du coup, ça rassemble les gens et puis pour le côté communautaire, c'est top. D'accord. Alors on l'a dit aussi, enfin ça a été annoncé, le jeu n'est pas payant, entre guillemets, il n'y a pas d'abonnement, tout ça, il me semble, hein, mais il serait financé en fait avec des services, donc par exemple acheter des stades en plus par exemple, avec des C'est ça. online. Alors C'est ça. est-ce que ça c'est suffisant pour financer un jeu comme Bouffbol? Alors effectivement, donc on est un jeu free to play, c'est-à-dire que c'est un jeu jouable gratuitement, mais on a des éléments payants à côté qui sont uniquement esthétiques, c'est-à-dire que on n'est pas en pay to win, c'est-à-dire que t'es pas obligé de payer pour gagner. Tout ce qui est achetable sur nos shops Bouffbol sont uniquement des services au green, comme tu l'as dit, qui permettent d'avoir accès à des stades, à des nouveaux personnages, à des sets de couleurs. Donc c'est uniquement de l'esthétique. Si t'es bon, tu peux terminer premier du classement sans avoir rien du tout acheté. Alors, à savoir qu'on a effectivement des services au green, on peut payer certains services avec cette monnaie-là, mais aussi des starter packs qui sont payables avec des moyens de paiement directs. Est-ce que c'est suffisant pour nous faire vivre? Bah écoute, je pense que c'est un modèle économique qui a fait ses preuves, le free to play. Il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça. C'est aussi notre cas, si on est encore là, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. Mais effectivement, l'inconvénient de ce modèle économique-là, c'est qu'il dépend beaucoup de la communauté et des joueurs. Donc si le jeu plaît, ça marche. Mais à partir du moment où on n'écoute plus notre communauté, où on n'est plus là
pour leur faire plaisir et les écouter et répondre à leurs attentes, forcément, ça peut mener à la déroute. Et c'est pour ça qu'on accorde le plus d'importance possible à notre communauté, parce qu'on veut qu'ils s'amusent. Et c'est le moyen pour nous aussi de pouvoir continuer à travailler sur ce jeu. Ok. Donc, alors par exemple, dans ce qu'on disait, justement, ces services, ces moyens esthétiques, en fait, on peut acheter des personnages de la série Wakfu, il me semble. Oui. Alors, par exemple, pourquoi tous les personnages n'y sont pas? Par exemple, Hugo n'y est pas pour l'instant. Est-ce que c'est prévu dans le futur ou pourquoi ils n'y sont pas pour l'instant? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans Bouffe Ball, quand tu composes ton équipe, tu reprends les 14 classes actuelles de Dofus, Wakfu, et qu'il n'y a pas les héliotropes. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'on n'a pas Hugo, mais on pourrait, effectivement, par exemple, on a Chris Lacras, Miranda, et tous ces personnages-là qui correspondent effectivement à des classes qui sont déjà en jeu. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas Hugo. C'est dommage, hein. Mais bon, c'est. Oui, je comprends. Ça serait un gameplay totalement différent. Donc ça, on peut pas l'envisager plus tard. Une nouvelle classe, c'est déjà pas envisageable sur le jeu Dofus, visiblement, d'après ce qu'on nous dit. Wakfu non plus. Donc dans Bouffe Ball, on les verra pas apparaître non plus. Pour l'instant, non, c'est pas prévu. D'accord. Des nouveaux contenus, est-ce qu'il y en a prévu justement, des contenus payants encore? Oui, on va avoir beaucoup de nouveaux contenus, notamment ce mois-ci. Vous savez que c'est la période de Noël qui approche, donc on prépare plein de choses très sympas. Donc restez bien vigilants à ce qui va se passer sur le site, ça va être animé. D'accord. Donc là d'ailleurs, il y a le calendrier de l'Avent qui peut faire gagner des petites choses sur le jeu Bouffe Ball, il me semble. Alors, effectivement, sans vouloir spoiler, mais si demain vous vous connectez sur le site de Bouffe Ball, vous verrez qu'on sera présent dans le calendrier de l'Avent. On vous invitera grandement à aller voir ce qui s'y passe. Il y aura peut-être une surprise pour vous, joueurs de Bouffe Ball. D'accord. Donc, bah, vous l'avez compris, hein. Demain, rendez-vous sur le site bouffeball.com, c'est bien ça, pour le calendrier de l'Avent. Alors, on continue. Donc, est-ce que des nouvelles améliorations vont être apportées? Il y a un gros patch qui est sorti, là, il y a quelques jours, avec notamment la reconnexion en combat, ce qui est plutôt pratique. Est-ce que de nouvelles améliorations aussi grosses sont à attendre prochainement? Oui, alors on a tout un lot d'améliorations qui sont prévues. On a beaucoup de joueurs qui nous parlent de l'équilibrage en jeu. Ça va pas être pour tout de suite, enfin en tout cas pas pour le prochain patch, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à amener. Donc oui, il y a plein de grosses modifications à prévoir. Je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. On a effectivement déjà fait un gros travail au niveau de tout ce qui est reconnexion. Ça c'était, on va dire que tout ce qui nous embêtait le plus dans le premier mois du jeu. Nous le jeu est sorti en gold il y a un peu plus d'un mois maintenant. On a réussi à balayer ça entre guillemets et à résoudre les plus gros problèmes techniques qu'on avait. Maintenant, ça va surtout être des problèmes d'équilibrage et des améliorations de gameplay. Et oui, bien évidemment, c'est prévu. Pas à ma connaissance, je ne dis pas que c'est impossible, mais étant donné que ça fait partie du modèle économique du jeu d'avoir des services esthétiques payants en plus, j'aurais du mal à dire si on a des stats gratuits qui sont prévus. En tout cas, à ma connaissance, pas pour l'instant, mais peut-être qu'on mettra ça en place plus tard. Mais j'en ai aucune certitude. C'est malheureusement pas vraiment de mon ressort, donc un jour peut-être, mais pas sûr. Alors on a beaucoup de gens effectivement qui nous parlent de ce mode spectateur et notamment du fait de pouvoir faire des replays en jeu. J'en ai parlé à l'équipe, c'est une amélioration qu'on compte mettre en place effectivement, le fait de pouvoir faire des replays, mais ça demande beaucoup de temps de prod, donc c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite. Pour le mode spectateur par contre, pour l'instant il n'en est pas vraiment question, mais disons qu'à partir du moment où on aura la possibilité de faire des replays de match, ce sera un problème à moitié résolu. Donc à voir plus tard si on peut mettre ça en place en plus, si ça a vraiment son utilité. Je sais qu'il y a aussi des gens qui nous ont demandé si on pouvait pas mettre un commentateur pendant les matchs. Donc tout ça c'est des propositions qu'on lit sur le forum et qu'on garde bien de côté, mais qui sont pas prévues pour tout de suite. D'accord.
Ah, c'est vrai que le commentateur, oui, on l'a vu aussi, bon, ça n'a pas une grande utilité en soi dans le jeu, mais c'est quand même plutôt sympa. Ça peut être fun, mais Ouais, c'est vrai après. qu'on a le côté déjà cinématique en jeu qui rajoute un peu un petit côté plus animé pendant les matchs. Et on a des gens qui nous disent, bon, c'est bien les cinématiques, mais au bout de 50 matchs, on en a un peu marre, c'est pas possible de les zapper. Donc on se dit qu'au fond, est-ce que le commentateur va pas L'animateur. être rapidement zappé après? On Ouais. sait pas trop. Donc on y réfléchit, mais c'est, en tout cas, j'avais bien lu, c'est bien noté. Faut pas s'inquiéter pour ça. On garde tout bien de côté et on y repense dès qu'on peut. D'accord. Alors là, bon, je précise hein, pour les gens qui regardent. Actuellement, je passe une vidéo que j'ai enregistrée de Pouf-Ball. C'est moi qui joue. Il faut pas prendre ça comme un exemple. Puisque, voilà, c'est juste pour vous montrer des images du jeu si vous n'avez pas encore l'occasion de l'avoir vu. En tout cas, c'est un jeu à jouer parce que même quand on perd, je trouve ça sympa. Même quand je perds. Et voilà, donc n'essayez pas de me copier niveau tactique puisque visiblement c'est pas ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Alors, on continue donc toujours sur le jeu Bouffe-Ball. Un tournoi officiel, c'est ce que ça pourrait arriver? Un vrai tournoi Ça avec. pourrait arriver. On pourrait même mettre quelque chose en place qui soit mieux qu'un seul vrai tournoi officiel. Donc là, encore une fois, je peux pas vous dire grand-chose, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et puis de toute façon, je vais pas vous dire grand-chose. C'est aussi dans mon intérêt de vous maintenir un petit peu en haleine. Donc il y a quelque chose qui est prévu, bien évidemment, autour de ça. Un jeu comme Bouffe-Ball sans tournoi officiel, c'est impossible de l'envisager. Donc c'est quelque chose qui va arriver très très prochainement en jeu, très 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 prochainement. Donc restez bien, encore une fois, vigilants de ce qui se passe sur le site. C'est prévu pour très bientôt. Ok. Donc ensuite, on continue. Alors, donc Bouffe-Ball, c'est un jeu en flash, comme beaucoup de jeux en Kama. Alors le flash non plus. Alors on a vu pose quand même certains problèmes. Par exemple sur l'utilisation de tablettes tactiles, surtout les tablettes Apple qui bloquent le flash. Il y a également donc Windows là qui est en train de bloquer flash également sur ses prochaines versions de Windows. Bien en fait ce qui est dommage c'est que donc on peut pas jouer à Bouffe-Ball sur tablette par exemple alors que c'est un jeu plutôt sympa puisque par exemple pour le déplacement et toutes les actions on doit faire des glissés en fait glisser déposer donc ce qui serait adaptable je pense sur une tablette. Alors est-ce que une application par exemple serait envisageable un jour? Alors effectivement, Bouffe-Ball, c'est un jeu qui pourrait être totalement transposé sur tablette tactile ou même sur smartphone. On a un gameplay qui s'y prête totalement, comme tu l'as dit. Maintenant, on a un petit problème qui se pose, c'est qu'effectivement, si on ne le développe pas sous Flash mais sous une autre technologie, ça va demander de notre côté de recommencer le développement du jeu quasiment à À zéro. zéro. Donc ce n'est pas impossible, mais ça demande un coût humain et financier de la part d'Ankama assez important, puisqu'en fait il faut recommencer une production de zéro quasiment, comme je te le disais. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment prévu. Ce qu'on veut faire déjà, c'est essayer de peaufiner le jeu au maximum. Après, si le jeu marche très bien, qu'on cartonne et qu'on a la possibilité de le faire, ce sera très certainement proposé. Donc pour l'instant, non. Si un jour on cartonne, peut-être, en tout cas on l'espère, on croise les doigts, on en a déjà parlé ensemble avec les équipe, et c'est vrai que c'est un jeu qui irait super bien sur les tablettes tactiles. Ouais, c'est vrai que oui, c'est une question que j'avais pensé à ça. Donc c'est vrai que ça serait sympa, mais le travail apparemment serait assez énorme. Conséquent. Oui, bah, ce serait une deuxième prod de jeu vidéo complètement. Ouais, Donc voilà, ce effectivement, serait c'est malheureusement pas un petit patch qu'on pourrait faire comme non, ça en 2 semaines. ça serait ouais, un projet à long terme, on va dire. C'est ça. Ensuite, alors est-ce que Bicarbo est toujours là? Parce que ça fait Oui, un moment qu'on toujours. lui parle plus. Voilà. Donc toi, évidemment, tu aimes le jeu Bouffe-Ball. C'est pour ça que tu as voulu devenir modérateur dessus. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement sur ce jeu quand tu as participé à la bêta? Alors, dans un premier temps, c'est le côté tactique, c'est-à-dire déjà avoir le choix des joueurs, le choix de les placer et le choix, en fait, de choisir quelle action et de pouvoir ensuite anticiper ou prévoir
l'action de son adversaire. Voilà, ça c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup, un peu comme les échecs, mais en plus divertissant, on va dire. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, de pouvoir anticiper les actions des autres et de pouvoir choisir en fait les différentes, on va dire différents combos qu'on peut faire avec les personnages en utilisant les différents éléments qui leur sont appropriés. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as encore le temps de jouer à Boubol avec ton travail de modérateur et puis ta vie aussi, hein, ta vie personnelle entre-temps? Oui, alors c'est rigolo parce que c'était une question qu'on s'est posée entre nous modérateurs. Est-ce qu'en tant que modérateur, on peut avoir le temps de jouer au Boubol, ou alors est-ce qu'on doit seulement se concentrer sur la modération? Alors, on n'est pas tous d'accord sur le principe, mais selon tel ou tel modérateur, certains ont fait le choix de continuer à jouer avec soit avec les comptes qu'ils avaient le compte qu'ils avaient avant, soit avec leur compte modérateur. Moi, pour ma part, j'ai choisi de continuer tout simplement parce que j'estime que je peux aussi, en tant que modérateur, aider des joueurs pendant le jeu en leur donnant des indications sur telle ou telle tactique à utiliser pour parfaire leur façon de jouer. Voilà, je pense que ça peut être aussi le rôle du modérateur Boubol, d'aider les joueurs à améliorer leur façon de jouer. À travers un défi avec le modérateur. Ouais. Il y a aussi quelque chose, c'est que les joueurs adorent jouer avec les modérateurs, et quelque part c'est aussi leur faire plaisir de se rendre disponible pour un petit défi juste pour s'amuser. Ils sont hyper contents quand on prend le temps de jouer avec eux, et c'est bien que de temps en temps les modérateurs puissent se libérer un petit peu de leur rôle de policiers, on va dire, pour montrer qu'ils sont aussi là avant tout pour s'amuser, pour permettre à la communauté de s'amuser. D'accord. Voilà. Après, on ne perd pas de vue que notre rôle principal, c'est la modération. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, imaginons que j'ai décidé de faire un défi avec l'un des joueurs, et que à ce moment-là précis, il y a quelque chose qui se passe sur le chat, qu'il y a deux personnes qui s'engrènent l'un et l'autre. Je préviens de suite le joueur avec qui je joue, parce que ma priorité, c'est justement de faire en sorte que ça se passe bien sur le chat. Donc notre priorité à nous, c'est la modération. Après, si le chat est calme, comme ça peut arriver de temps en temps, hein, il n'y a pas que des gens qui se bouffent le nez 24 heures sur 24, heureusement. C'est d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a une communauté qui est quand même assez formidable là-dessus, c'est qu'elle arrive à évoluer ensemble sans forcément à chaque fois se titiller les uns les autres. Il n'y a pas beaucoup de provocations, il y en a très rarement. Et c'est vrai que c'est un véritable plaisir pour nous en tant que modérateurs de modérer le chat du Boubol, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres jeux, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes combien de modérateurs pour l'instant? Alors, pour l'instant, on est 5 modérateurs. D'accord. Et alors bon, là, je pense que c'est plutôt Escarina qui va me répondre, peut-être. Est-ce que des nouveaux recrutements sont prévus, peut-être, si le jeu continue on l'espère, d'évoluer en nombre de joueurs? Oui, bien évidemment, le recrutement au niveau de la modération, au final, c'est quelque chose d'assez permanent. Pour fixer des bornes, on va dire, de temps en temps, je relancerai une news pour le recrutement. Mais bien sûr, j'imagine que, si tu veux, la modération, c'est pas quelque chose de fixe, tout simplement parce que c'est des gens qui sont derrière ça et qu'ils ont une vie ou des études qui évoluent. On a un peu des gens de tous les âges dans l'équipe, et du coup il y en a un qui peut très bien être amené à avoir beaucoup de boulot sur une période, et puis en fait il y en a deux, trois, quatre, et puis je me retrouve avec plus qu'un seul modérateur complètement débordé. Donc oui, tout est possible. Pour l'instant, comme l'a dit Bicarbo, ils sont cinq, ils se débrouillent très bien. D'ailleurs je les remercie parce que j'ai pas grand chose à faire pour les coordonner. Ils se débrouillent très très bien entre eux, ils sont très bien organisés, donc ça, le roulement au niveau de la modération est quasi parfait
Je vais pas dire parfait parce que sinon ils vont avoir les premiers on va se qui vont prendre la gonfler, tête. mais ça se passe très bien. Donc pour l'instant, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais plus tard, ce sera sûrement amené, oui, à grandir au niveau de l'équipe. Et puis il y a aussi une chose, c'est que quand j'ai fait le premier recrutement de modérateur, j'ai eu une quarantaine de candidatures. J'en ai pris 5, mais bien évidemment, j'ai d'autres joueurs en vue que j'ai pas pris dans l'équipe pour l'instant, mais vers lesquels je reviendrai aussi peut-être plus tard pour leur demander si ça les intéresse toujours de rejoindre l'équipe. Et puis d'être un peu chaperonné par ceux qui auront un peu d'ancienneté à ce moment-là. D'accord. Okay. Juste quelque chose à ajouter. Pour la modération, on a eu quand même, il faut dire qu'on a eu une chance formidable, c'est que quand même Escarina, au début en tout cas, nous a beaucoup secondé, nous a beaucoup aidé parce que pour certains, c'était la première fois qu'il faisait de la modération. Et elle a vraiment été derrière nous pour voilà, nous dire voilà, quoi faire, à quel moment, dans quelles circonstances, etc. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à prendre confiance en nous, pour pouvoir ensuite être indépendant dans notre manière après à nous de gérer la modération. Donc voilà, c'est aussi, je pense que si on est tel qu'on est actuellement en modérateur, c'est un peu grâce aussi, grâce à Escarina. Voilà, je pense que c'était important de le préciser. Ok, bon, alors donc toi tu avais donc Bicarbo, est-ce que tu avais déjà des expériences dans la modération avant de Alors, faire Boubou? oui, après, je sais pas si j'ai le droit de donner des noms de jeux, mais oui, j'ai déjà eu une petite expérience assez sympathique sur un autre jeu en tant que modérateur. Ça a pas duré très longtemps parce que j'ai eu une période où j'ai été très occupé. Donc, oui, j'ai une expérience sur un autre jeu pour la modération. Après, pour l'animation, j'ai eu aussi une autre expérience aussi sur un autre jeu différent de la modération. Voilà. Ok, donc ben, je crois qu'on va terminer là. Merci à vous deux en tout cas d'être venus, c'est très gentil. Je vais vous libérer parce que vous avez peut-être des choses à faire. Il est déjà 21h30 bientôt. Voilà, alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être, à dire aux joueurs qui nous écoutent? Ben, je vais terminer avant de laisser la parole à Bicarbo en remerciant tous les joueurs qui sont là tous les jours, en remerciant mes modérateurs qui sont là et qui font un super boulot. J'ai rien à dire à ce niveau-là. En plus, ils s'entendent très bien, donc ça c'est super. Et je vous invite tous à nous rejoindre en jeu, donc sur boofball.com. Et puis aussi, on a un Twitter, @boofball. Et une page Facebook depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, donc on peut être retrouvé très facilement. En plus, on a une application Google où vous pouvez mettre tous vos screens quand vous mettez des touchdowns à vos adversaires sur Facebook pour aller vous vanter. Donc, voilà, on espère vous retrouver nombreux sur ces plateformes-là. D'accord. Bicarbo, quelque chose à dire avant de... Non, je crois que là, elle a tout dit. Eh Merci bien... Ancativi de s'être penché sur Google. Moi, ça me fait super plaisir d'être là ce soir, et puis je pense que ça fait plaisir à Bicarbo aussi. Oui, ah oui, très. Bah, ça nous fait plaisir aussi de vous avoir. Ça fait... Voilà, donc je vous dis merci à vous deux. À bientôt peut-être. Voilà, Avec pour plaisir. Si tu veux. tout, hein, on l'espère. Voilà, donc bonne soirée à vous tous également sur Anka TV. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission et une autre interview. Voilà, merci à tous et bonne soirée.